Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. C'est parti! Un long ballon vers l'avant. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Il écarte le jeu. Il choisit de centrer. Oh, la tête! Oh, quel bel arrêt! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! On est passé tout près d'une entame de rêve. En tout cas, ça va réveiller la défense adverse. Quelle inspiration! La bonne passe. C'est joué long, attention. Oh, attention, c'est une occasion, ça! Devant la... Oh, le coup de tête! C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Sao Paulo pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près, là. Cette rencontre a démarré sur les chapeaux de roue avec beaucoup de frappes. Il faut juste s'appliquer un peu plus. Il y va tout seul. Repiqué dans l'axe, peut-être. Centre. Un centre trop long, ça ne donnera rien. Jusqu'ici, ils ont bien utilisé l'aile gauche. Attention à ne pas attaquer toujours du même côté quand même. Ils prennent l'eau sur ce côté, ils vont devoir s'adapter. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Il allonge. Oh, il l'a récupéré. C'est joué long. Il joue dans l'espace. La belle inspiration. La frappe! Le but pour São Paulo! Et voici l'ouverture du score. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. En plus, je crois qu'il la frappe d'instinct, sans regarder les buts. Il avait déjà marqué dans cette compétition. C'est donc son deuxième but.
C'est reparti, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il glisse le ballon en profondeur. Il fait du bien ce tacle. Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Oui, mais il a joué un peu trop perso là. La passe dans la profondeur. Ça sent la frappe. La frappe, attention! Il peut encore frapper jusqu'au bout. Oh, c'est au fond! Ils ont trouvé le bon rythme là, quelle efficacité! Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but! Mais quelle faute de main du gardien! Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas! Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il file vers le but. Une occasion. Attention, la frappe. Et ça rentre. Ça pourrait être un but important. Il marque juste avant la pause. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Ouverture vers le poteau de corner. Dans la surface. Le coup de tête. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Eh bien, écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Sampaolo, qui mène donc 2-1 à la pause, c'est un match qui est encore loin d'avoir livré son verdict. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Paolo qui peut construire. Il progresse encore. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il relance côté droit. C'est parfait, magnifique. Le ballon sort en touche. Le centre tendu. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Le bon centre. Et c'est intercepté. Quelle passe!
Valencia. Et ce ballon vers ses attaquants. Il tente sa chance. Encore une chance. Oh, et but! Le but! Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but! Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir était difficile à capter. Bien joué. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Ce ballon bien dosé. Sampaolo qui essaye de construire. C'est bien ce qu'il fait là. Le bon dribble. Ça, c'est... Allez, de la tête! Il n'arrive pas à tirer. Distance de tir, allez jusqu'au bout. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Gorka et Lustando qui cherche la profondeur. Il écarte, il joue sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il est passé. Énorme occasion. À côté. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Jeu, le changement peut maintenant s'effectuer. Oui, il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Il récupère directement sur le dégagement. Bonne intervention, il y avait danger. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oh, la frappe! Aucun danger pour le gardien. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. De la jouer dans l'espace. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Huit minutes passent et maintenant que la différence peut encore se faire. Il a pris tout le monde de vitesse. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Alors, que va-t-il faire? Edwin Valencia. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il choisit là-bas, sur l'aile. Attention. Et cette tête! Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé, les joueurs tout tenté. Mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite.